Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous rappelle que le combat contre le despote Boya Mindele, Denis Sassou Nguesso, est à la fois rude et passionnant. Il est rude parce qu'il s'est entraîné et conditionné à déclasser, à forcer à l'exil, à emprisonner et à assassiner. Bref, à nous piétiner, nous peuples congolais, et fracasser notre pays, qui est devenu une poudrière, qui est déjà visible. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi ce combat-là est rude. Et donc, nous devons nous structurer, nous organiser et agir. Laisser les émotions et l'appartenance à côté. Jouer en équipe, puisqu'on est là pour prendre le pouvoir et les partager entre patriotes, toutes les administrations, institutions, la diplomatie, bref, les marchés, tous les moyens de l'État vont revenir aux dignes fils du pays, à leurs enfants, petits-enfants et partenaires. On est là pour prendre le pouvoir, on n'est pas là pour rigoler. C'est pour cela que vous devez accompagner les dignes fils du pays qui sont sur différentes échelles au pays comme dans la diaspora, qui luttent activement pour que ce plus grand criminel d'Afrique qui est encore en service puisse être dégagé. Ce combat-là est passionnant parce que, bon, ben, à tout instant, vous pouvez être à la fois témoin et acteur de la chute du despote afin de récupérer tous ces moyens de l'État ou ces moyens de pression qu'il a toujours exercé contre nos peuples congolais depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours. Le combat est rude et passionnant, c'est pour ces raisons précitées. On est en rapport de force. Établissons les rapports de force. En ce moment, Sassou joue au rapport de force. Mais vous le saviez très bien que toute dictature a durée de vie limitée. C'est nous qui allons gagner ce combat. Donc, regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que vous. Et motivons-les qu'à tout instant, tu peux devenir consul, ambassadeur, tu peux devenir directeur d'une administration, proviseur, député, maire, ministre et autres. Parmi vous, là, il y aura le grand remplacement. Ce qui fait que ce combat-là devient passionnant. C'est une lutte et elle est sans merci. Et Sassou l'a très bien compris, c'est pourquoi il tue sans scrupule. C'est pour cela qu'il envoie en prison sans scrupule. C'est qu'une question de vie ou de mort pour lui. Donc, apportons-lui aussi les rapports de force. Et c'est ça que je fais ici en tant qu'intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur dans une société et ou nation donnée, précède toujours la révolution des idées. La révolution intellectuelle. Parce que de toute façon, ça ne va pas tomber. Mais il faut les cerveaux, la matière grise, pour réformer une nation nouvelle. Donc, ces cerveaux-là sont dans différents domaines qui touchent le droit, la sociologie, les sciences économiques, les sciences pures, les sciences environnementales, la philosophie, l'histoire, la géographie, la politique, les donc tout de l'État. Vous le savez que l'éducation dans notre pays est descendue au plus bas niveau de tous les temps. Denis Sassou Nguesso lui-même avait dit dans les débuts des années 80 que l'éducation était au plus haut niveau. Et quand je suis arrivé au pouvoir, je l'ai fracassé. Nous avions vu, puisque j'ai enseigné au lycée là-bas, j'ai vu qu'à la fin de Denis Sassou Nguesso 1, j'ai enseigné au lycée, je voyais comment, dans les classes de scientifiques, on voyait plein d'élèves comme ça, et il n'y avait pas de place. Donc il a détruit, il a lui-même dit que bon, j'ai fracassé ça. Avant qu'il prenne le pouvoir, en 1979, nous étions le pays où on venait étudier chez nous, se soigner chez nous. Les gens mangeaient à leur faim.
Le pays était respecté. Regardez bien comment on est devenu. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui en a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, c'est une chaîne de responsabilité. Et nous aussi, peuple congolais, nous avions ce droit et devoir de sauver notre nation. Il n'y a personne, on n'aura personne, sauf que nous. Donc, établissons les rapports de force. Et s'ils menacent, restez humbles au moment que vous allez récupérer les moyens de l'État là. Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp. Elle va changer de camp. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous l'un des événements d'un cas d'école des stratégies de conservation du pouvoir. Vous avez vu que ça se commence à jouer à la sorcellerie avec la jeunesse, qui va leur donner l'emploi, qui va leur donner au moment où tout le pays, tout est par terre. L'éducation, la formation, les infrastructures, l'état d'esprit, et tout ça par terre. Donc, cet événement au sujet de la jeunesse, c'est une stratégie de la diversion. Et donc, ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre le sens et la signification de cette vidéo. Donc, chacun a son rôle. Voyez comment les lions attaquent leur proie. Il y a un qui fait la diversion, il y a un qui joue à l'embuscade, il y a d'autres qui jouent à l'attaque. Voilà, ce sont en équipe. Les licaons, les chiens sauvages, c'est pareil. Il y a un qui attaque, il y a un qui relaie, et autres comme dans le Tour de France, jusqu'à ce que la bête soit crevée. Et donc, c'est comme ça. Nous sommes en équipe. Il y a ceux qui sont dans les médias et réseaux sociaux. Très bien. Pas de polémique, pas d'amalgame, pas de négationnisme. Non, ce n'est pas le moment. Attendez, après, quand le mal sera parti, on pourra. Voilà. Donc, pour l'instant, on doit douter, se structurer, s'organiser et d'agir, tant au niveau intellectuel, politique, militaire, religieux, spirituel, etc. On est ensemble contre un ennemi commun. On doit le broyer. Voilà, donc lui, il joue à tout ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne Sassou Nguesso. Donc, voilà les événements concernant la jeunesse. Ça fait partie des qu'on appelle des stratégies, de ces stratégies de conservation du pouvoir. D'abord, pourquoi le despote joue à la stratégie de la conservation du pouvoir? C'est pour 5 points essentiels. Le premier point de la stratégie de la conservation du pouvoir, c'est sa lâcheté. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui envoie les pétards aux autres, lui-même a peur des pétards. Denis Sassou Nguesso, c'est un lâche. Et des lâches, quand ils sont au pouvoir, ils sont très dangereux. Sassou Nguesso déclasse les uns et les autres à volonté, au niveau social. Il force à l'exil sans scrupule. Il les emprisonne et certains sont même morts en prison sans scrupule. Il les assassine, soit de manière ciblée et ou de masse, sans scrupule, sans que le ciel n'ait tombé. Voilà, il est là. Donc, il joue à ça. Donc, il s'est accaparé de ces moyens de l'État-là. Et ces moyens de l'État, c'est son arme de guerre contre nous, peuple congolais. Donc, l'enjeu pour nous est de récupérer ces moyens-là de l'État. Et vous avez par exemple pu voir en 2016, dans cette lâcheté, un proche du despote avait dit que, bon, ben, écoutez, Jean-Marie Michel Mokoko, laissez le pouvoir à Jean-Marie Michel Mokoko. Sassou Nguesso avait alors dit à ce proche-là, qu'avec les crimes que j'ai commis dans ces pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour que je reste au pouvoir. Je ne lâcherai pas. Donc, dès ce moment-là, et jusqu'à nos jours, j'avais compris que si on ne prend pas conscience de ça, il va laisser que l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle ici. Parce qu'il sait bien qu'il doit rester là jusqu'au bout. Donc, la lâcheté, c'est le premier point du despote. C'est un lâche. Les lâches sont très dangereux. Parce que quand ils prennent le pouvoir, et nous en avons beaucoup même dans la résistance de l'opposition, si bien que j'alerte les Sassou Nguesso,
qu'il y aura des lâches qui vont prendre le pouvoir et vont devenir pire que Sassou Nguesso pour vous fracasser, vous torturer, vous. Donc, beaucoup de choses qui vont passer contre vous. Hein. Donc, il faut faire attention. Sassou n'est pas le monopole de la lâcheté. Donc, il y en a beaucoup aussi ici, puisqu'ils ont laissé faire déjà depuis le coup d'État, et en particulier depuis 2015 à nos jours, il est là. Donc, il attend le moment qu'ils ont récupéré les moyens de l'État et c'est fini. Le deuxième point sur cinq de la conservation du pouvoir par Sassou Nguesso, c'est surtout la peur de payer la rançon de la gloire et ou de l'humiliation, comme la plupart des dictateurs sont passés toujours par là, l'humiliation. Mobutu, Alpha Condé, etc. sont tous passés par là. Mais lui, il a peur de payer ça. Et en plus, la peur de payer la rançon de ses crimes, la justice, quelle qu'elle soit. Qu'on a eu les Samiendo, les Ceausescu, on a eu Hitler, Mussolini, tous sont passés par là. Mais lui, il a peur de ça. Parce qu'il sait qu'il y a des tordus dans ce pays. Et donc, au moment où on les récupère, ils sont gentils là. Au moment où tout a changé, voilà. Vous ne pouvez pas contrôler le quotient intellectuel d'une foule ou d'un groupe de résistants ou d'opposants et autres, au moment que, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Donc on peut se transformer en bourreau et fracasser tout ce monde-là, qui joue encore aujourd'hui aux députés, aux sénateurs, ou aux ministres, ou au moment qu'on va les prendre un à un, là, on envoie directement au cachot, et donc ils vont rester là-bas et mourir en prison. Donc on ne sait pas qui est qui dans ce pays. Donc, ce qui fait que le peuple, c'est dangereux. On ne sait pas qui est qui. Il y a des gens, il y a la boule, il y a l'énergie nucléaire, l'énergie potentielle qui boule là. Qui, au moment, si on les attrape, au moment, boum, c'est fini. On va les ramasser un à un. Vous imaginez? Donc, ils continuent à jouer avec le feu. Le troisième point sur cinq, c'est sa dépouille. Il avait dit lors de l'enterrement de Monseigneur Monsengo à Kinshasa, il a dit, bon, mais qui pourra protéger ma dépouille? Donc, c'est pour cela. Il veut non seulement mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs, pour avoir piétiné, fracassé tout le monde dans ce pays depuis 1977 à nos jours. Donc c'est l'indignité nationale éternelle. Quelqu'un qui est venu nous fracasser, il est à deux pas, à 84, 85 ans, de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Donc c'est la voie ouverte vers les défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Surtout avec les problèmes des tribus, des intérêts, de la psychologie, de la psychanalyse et autres, ça peut créer d'autres mauvais. Donc c'est pour cela que j'ai dit que ce pays est en danger. Nous sommes là, les calmes avant la tempête. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va durer longtemps? Si Sassou n'est pas humilié ni jugé, et les corps qui certains patriotes disent que bon, mais, tant qu'on ne trouvera pas le corps du président Alphonse Massamba Diba, Sassou n'aura pas de temps ni de sépulture et tout compagnie dans ce pays. Même beaucoup de ses membres, de la famille et autres, on en parle. Le quatrième point sur cinq qui fait que Sassou continue à jouer à la conservation du pouvoir, c'est l'ordre de France-Afrique. Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. Et il joue malin. Ce n'est que ça peut se terminer très mal. On a vu des débuts, on a vu d'autres. Donc il joue là. Mais la France-Afrique doute désormais de Sassou Nguesso aussi parce que, et de ce clan parce qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette. Sassou, au nord, il n'y a que l'Imbushi. Et que tout le monde se courbe derrière ceux qui ont détruit ce pays. Non. Donc, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette. Contentieux historique dans le sud. Le contexte anti-France-Afrique. Tout ça fait beaucoup. On n'arrive pas à produire un Olingi-Nguema ou Idi Déby. Ça va se terminer très mal. On le sait bien. C'est une histoire des tribus aussi. Il n'y a pas que eux. Le contexte n'est pas bon pour la France-Afrique à l'échelle continentale. Et en particulier dans notre pays. Donc on joue là au statu quo, à l'immobilisme. Mais ça n'arrange pas les affaires de la France-Afrique. Même si au moment, on continue à exploiter le pays. Très bien. Mais et toute chose a un débat à interminer. Pour eux, ils vont payer cher cette haute trahison que Sassou Nguesso et son clan sont en train de jouer. Avec ça, en prenant les moyens de l'État comme arme pour se protéger, donc au jour de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance, mais jusqu'à combien de cas encore? Et cinquième point sur cinq, c'est surtout la succession.
Et qui est là? Et déjà, le clan est divisé. C'est comme si le Congo, là, c'est vrai que le petit clan des voleurs, des assassins qui sont là au sein du clan. Au Kimba, c'est un étranger. Denis Kissé, ça semble qu'il soit un étranger. Jean-Jacques Bouillard, c'est un voleur, grand voleur. Et tout, comment on peut faire ça? Non, c'est pas possible. Même au Nord, toutes les tribus du Nord, en fait, ils disent qu'il n'y a qu'eux. Non. Donc, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Il y a la colère. Parce qu'ils ont les moyens des États. Comme les propriétés privées, gens de la France-Afrique, comme les compagnies d'assurance, et de l'ordre mondial occidental, comme les compagnies de réassurance. Et je suis à combien d'États encore? Voilà les points pour lesquels ça se joue à la conservation du pouvoir. Et que chacun de vous doit nourrir les débats et en même temps réfléchir aux stratégies de déposer Sassou Nguesso. Que ce soit par la rue, j'ai dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. 200 000 personnes au Congo, à Brazzaville, dans la rue, Sassou ne va pas tuer. Et celui-là va devenir. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas aujourd'hui. Il ne peut pas. Le Nord est déjà ensemble avec le Sud et tout compagnie. Méfie des apparences. Il n'y peut pas. Donc, l'insurrection, celui qui va. Il y aura la casse. Mais la casse, elle sera aussi rendue service. Ceux qui vont tuer, on va les prendre un à un. Il faut aussi être éliminés. Il faut aller maintenant. Aujourd'hui, c'est les rapports du monde est comme ça. Tu me tues, je te tue. C'est vrai, dans la nature. C'est la fuite ou l'attaque. C'est manger ou être mangé. Mais si tu le fais contre moi je le fais aussi contre toi. Tu tues un membre de ma famille, si j'ai le pouvoir, je vais. Ah tiens, c'était lui. Ah oui. Tu es fini. Tu es fini. Tu es cuit. Donc il faut maintenir ça, ces pressions-là. Voilà pour les 5 points pour lesquels le despote Denis Sassou Nguesso joue à la conservation du pouvoir. Allons maintenant voir, comment on appelle, déjà au niveau des stratégies, là, hein, les stratégies, les points pour lesquels ça se joue à la stratégie. Alors, bon, donc il faut aller voir ce qu'on appelle les stratégies. Hein, ça, ce sont les raisons. Maintenant, là, les stratégies. J'en ai sélectionné pour vous, combien? Il y en a au total 5 stratégies. Que vous devez en tenir compte. Je vais les énumérer pour que vous puissiez comprendre pourquoi ils jouent à cette stratégie. Donc, la diversion et tout ce qui fait sur la jeunesse là, c'est que de la. C'est que de la diversion. Voilà. Donc, ça rentre dans les stratégies. Tous les événements là, l'année 2024, soit disons l'année de la jeunesse, alors qu'on venait d'assassiner la jeunesse au stade Ornano, alors qu'on fait beaucoup de choses qui sont là-bas, beaucoup se disent que de quoi se moque-t-il de cette jeunesse, de ces Afriques, de ses propres semblables, du peuple congolais. Parce que l'avenir d'un peuple, c'est la jeunesse. D'autant plus que dans notre pays, 70% de la population, c'est la jeunesse. Et donc, il faut voir ça. Mais lui, il se moque de la jeunesse. Et donc, il va se souvenir, il y a des piliers autres. Tous ces gens qui travaillent dans cette dynamique-là, les jeunes-là qui font là, ils sont des otages. Demain, ça soit à tout instant, va tomber, ils vont venir. Ah, tiens, mais attends. Nous étions la jeunesse, nous, on était la vraie jeunesse. La jeunesse post Youlou, Massamba Dibaï et Maringouabi. Rassurez-vous que j'ai dirigé l'UGC à la faculté des sciences. Et nous étions avec les Pierre Mabiala, qui dirigeait l'UGC à la faculté des droits, moi à la faculté des sciences. Vous imaginez ces années-là, Pierre Mabiala, demandez-lui un ministre de Sassou. Tout ce monde-là, les Sabaï, et tout ce monde, ils se connaissent. Pour donner ceux qui sont vivants là. Connaissez Aya Tonga. Alors, bon, maintenant, donc il faut, pour rentrer dans un pouvoir, il faut comprendre les officines. Et beaucoup de choses comme ça, la tête de la psychanalyse, la psychologie, les côtés, tout ça, de celui qui a la tête. Il ne faut pas rentrer comme on rentre dans un moulin. Sinon, tous ceux qui sont partis là, ils sont tous souillés, humiliés et autres. Et voilà. Donc, il ne faut pas rentrer comme ça. Je vais parler des cinq stratégies de la conservation du pouvoir. Donc, je vais les énumérer rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. Et la première stratégie, c'est le droit. S'asseoir, tu utiliser le droit contre tout le monde dans ce pays, pour ses propres intérêts. Regardez les droits. Il a toujours utilisé les droits pour ses propres intérêts. Les droits, ce n'est pas pour vous, le peuple congolais. C'est-à-dire les notions les plus insignifiantes du droit.
et de la morale ne sont qu'appliqués pour lui-même. Par exemple, les administrations, les institutions, la constitution, tout ça c'est pour lui, c'est pour... Voilà, vous avez tout compris, très bien. Donc dès que vous parlez du droit, c'est pour lui. Et ses soutiens et tout compagnie. Ok? Très bien. La deuxième stratégie, c'est le sens du détail. Il a le sens du détail. Déjà, il nous conçoit. Lui-même se conçoit comme un conquérant armé depuis le coup d'État. Mais il vous, nous traite les uns des autres, tout le monde, comme ses sujets indigènes, esclaves et du bétail humain. Et c'est pour cela que la fin ne justifie pas les moyens employés pour soit déclasser socialement, forcer à l'exil son passeport, visa, emprisonner, même les tuer à la prison, et même les assassiner, les assassinats de masse, et tout compagnie, ça fait partie des stratégies pour que les gens aient peur de se soumettre. Dans la diaspora, il y a tellement de Congolais. Combien de Congolais se sont levés ici? Ils ont peur parce que, ah tiens, je vais au pays, il y a des problèmes de passeport, de visa, et ou de sinon, bon, voilà. Donc, voilà. Ils nous voient comme des héros. Mais au lieu de contribuer à la force des héros, ils viennent voir ça comme un spectacle. Au moment que ça change, c'est le premier à venir, mon frère, bon, ben, mon ami. Et mes... Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça après. Hein. On connaît ceux qui sont affichés. Donc, il ne faut pas jouer à la soumission volontaire, à la servitude volontaire par la peur. Non, la peur n'arrange pas. Il fait ça, vous dites que ça va tomber là. Tous ceux qui seront nommés, ils en seront donnés à chaque administration, à chaque institution pour aller punir tel individu. Si Sassou Nguesso tombe, si quelqu'un avait fait du mal à toi, tu peux voir au niveau il y aura des amis qui seront dans la justice, il y a des amis qui seront dans la police, les renseignements, les passeports, les visas, tout, 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 bloc. Tu bloques comme on faisait même en enseignant. En enseignant, on pouvait bloquer quelqu'un. Voilà. Et voilà, un ami qui est prof de mathématiques, un ami qui est prof de sciences physiques, un ami qui est prof de biologie, un ami qu'on bloque. Voilà. On peut catcher quelqu'un comme ça. Même beaucoup de choses comme ça. Donc, ils savent bien que nous sommes en équipe. C'est pour cela qu'à la chute de ça, nous serons en équipe comme ça se passe au Mali, au Burkina et. Au Niger. Et ça soude. Et nous pouvons reconstruire ce pays. Donc, organisez-vous à soutenir la résistance et maintenant. Bon, donc, Sassou a l'essence du détail. Et ce sont des détails-là. Il faut prendre ça au sérieux. C'est celui qui dit, ah tiens, ceux qui sont venus, ont été mordus par l'éducateur. Il dit avant pour les dialogues, pour point, 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 vers le bon, après ils sont partis, poison, ils sont morts, crise cardiaque, et ou déclassé autre. Donc il fait comme une voilà, séduction, vous voyez, hein? Comme une femme, quoi, qui veut séduire, la femme, quand elle veut séduire l'homme, elle a beaucoup de gestes, hein? Elle tourne, elle forme, elle te touche, et voilà. Donc là, c'est comme ça, la danse du diable. Et donc là, c'est comme ça, il a leçon du détail, il n'oublie pas. Il sait que tu es un bon serviteur, mais la confiance ne se décrète pas, mais elle s'est créée ou elle s'est construite au gré des épreuves. Tu dois toujours continuer à faire du mal aux Congolais et autres. Maintenant, tu es avec lui. Donc, plus tu es dans le mal, tu es de ça, sais bien que tu n'auras plus t'en sortir. C'est comme dans la mafia, système Sassou Nguesso. Tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie. Et donc, ces gens-là, ils sont entraînés et conditionnés à se soumettre à Sassou, puisque. Le système fait que vous êtes traités comme des sujets indigènes, esclaves et autres. Vous avez compris? Et là, Sassou, il connaît très bien que oui, ça c'est vraiment autre. Je ne veux pas le placer là par hasard. Parce que notez bien que Sassou n'aime pas nous Congolais et notre pays. C'est son butin de guerre. Et qui joue avec les étrangers et l'ordre France-Afrique et occidental. Pour cela, donc c'est pourquoi on le maintient. Il faut savoir que c'est un mercenaire qui est là. Tu l'enlèves sa carapace là, son visa là, tu les différents présidents de France qui ont été là au pouvoir au moment où Sassou Nguesso est là. Vous avez compris? Très bien. La troisième stratégie sur cinq, ce sont les changements de constitution sans fin, les hold-up électoraux sans fin, les dialogues sans fin. Ça fait partie des mécaniques de conservation du pouvoir, les stratégies de conservation du pouvoir. Donc là, changement de constitution, ordre électoraux, dialogue,
gouvernement d'union nationale et beaucoup de. Ils ont été défendus. Il y a des gens, des piliers même de la résistance sont là. Ils sont payés. Et pour ça que vous allez comprendre dans les piliers de la conservation du pouvoir. La quatrième et l'avant-dernière stratégie, c'est surtout les. Bon, là-bas c'était la carotte, maintenant là c'est le bâton. Donc la stratégie de la conservation du pouvoir, la quatrième sur cinq, c'est l'injustice. Il faut qu'il y ait des inégalités pour que les gens soient, pour monter à l'échelle du statut social, ça soit élitiste. C'est un petit groupe d'individus. Imaginez-vous, les députés congolais gagnent jusqu'à 8 000 euros, 8 000 dollars par mois, alors qu'en Namibie, on a aucun pays qui est vraiment, quand on voit comment ça se développe, ils ont 900 euros, un député. Mais chez nous, c'est le député le plus payé d'Afrique. 8 000 euros par dollar par mois. En plus de tout ça. Donc, il doit toucher autour de 15 000 dollars par mois. Ou 97% de la population est dans la merde. Mais ça, c'est les députés. Combien de fois les sénateurs? Combien de fois les membres du gouvernement? Combien de fois les pas de droit et autres? Donc, tout le produit intérieur brut va qu'à au fonctionnement du régime. C'est pas pour la population. Et vous êtes là comme pour les moutons en train de vous vendre de la poussière ou de je sais pas quoi, qu'on va construire et refaire la jeunesse autre. Non. Là où l'éducation est par terre, l'enseignement supérieur est par terre, la formation est par terre, tout par terre. Il va travailler où les entreprises, ce sont que les entreprises qui travaillent pour le compte de l'exploitation de ce pays. Et vous allez parler de quoi? C'est pas vrai. Regardez comment on a humilié les fonctionnaires à Banque Postale, à Brazzaville, pour aller chercher les salaires. Vous imaginez comment on humilie ce peuple-là? Donc, l'injustice, l'oppression, la barbarie, tout ça pour que les Congolais se soumettent, pour qu'il y ait peur. Comme disait Hermann Göring, il fut l'un des numéro 2 du nazisme. Il a dit, pour dominer ce peuple, il faut utiliser la violence, l'injustice, l'oppression et autres. Et comme certains en pensent dans les officines, que les gens de Sassou Nguesso là, nous allons aussi utiliser l'injustice, l'oppression, la violence pour les raisonner. À chaque fois qu'il y a un qui va commencer à la chute de Sassou, et quelqu'un qui va commencer à faire son petit numéro, il va terminer soit handicapé ou mort. Les ordres seront donnés à la police. L'ordre, la leçon doit revenir. Comme cet élève-là qui va danser au lycée devant le professeur comme ça, qui fait son coup, il vient embrouiller le professeur en dansant. Un garçon comme ça, on l'élève, on va d'abord le brutaliser. Et il va rester des mois là-bas. Voilà, on dit, l'école, on vient étudier, on ne vient pas divertir, on n'est plus l'école de Sassou. Quand tu vois l'immoralité jusqu'à l'école, et les élèves de l'école primaire au collège, lycée, seront dressés, il y aura beaucoup des ordres, vraiment, vous allez voir ça, à la chute de Sassou, là, le Congolais va revenir là. Il y aura quelque chose, un niveau de violence, d'intérêt général, d'éducation, tout ça comme ça. Et donc, vous imaginez ce qui arrive. Ce n'est pas que des mots, hein. Ce ne sont pas des paroles comme ça, hein. Mais ça va arriver, ces ordres seront donnés. Et donc, vous imaginez que cette injustice qui règne et que Sassou utilise ça, les moyens de pression, les moyens de tout, mais ça va revenir. Vous savez qu'ils en ont fabriqué des tordus dans ce pays qui ont compris comment fonctionne le dispositif. Et il va être utilisé contre eux pour rétablir l'ordre, la nation, le travail, l'unité, plein de choses comme ça. Le cinquième et la dernière stratégie, c'est, je vous ai dit que c'est l'ordre France-Afrique et l'ordre mondial. La France-Afrique, c'est sa compagnie d'assurance, et l'ordre mondial occidental, la compagnie des réassurances. Mais donc, avec les troubles entre l'Occident et le Sud global qui se passent là où la France-Afrique est aussi dans les soucis, et donc ça chamboule. Mais ça se joue stratégie avec la France-Afrique. Il dit, bon, ben c'est pas vrai, c'est pas grave. Moi, je dis, bon, donc il est là, il joue avec ça. Parce que d'une façon, on n'a plus de choix. Parce que moins de trahison, il va finir comme Idi Déby et ou d'autres. Donc, il doit continuer à trahir nous, Congolais, et notre pays, pour protéger l'ordre, Force Afrique et l'ordre mondial. Vous avez tout compris? Très bien. Donc voilà pour les stratégies de la conservation du pouvoir que je peux ici vous les réciter. Il y en a cinq. Première stratégie, c'est le droit que ça s'utilise contre nous, peuple congolais. Et ces droits-là, ils l'utilisent au niveau des institutions,
la constitution, des administrations, bref, de l'État contre nous. Donc, dont il exerce ses pressions contre nous. OK? La deuxième stratégie, c'est le champ du détail. Donc, il connaît tout le monde dans ce pays. Il sait que, voilà, on ne peut pas rentrer là-bas comme on rentre dans un moulin, non. Donc, il sait bien que tu as servi dans le mal, dans les crimes, dans l'immoralité, dans tout ce contre le peuple, contre les uns des autres. Voilà, tu veux venir pour servir. Ce sont que les gens là-bas comme ça. La troisième stratégie sur cinq, c'est sans les changements de constitution, de hold-up électoraux, sans fin, des dialogues, de gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que ça? C'est un cycle. Et la quatrième et l'avant-dernière stratégie, c'est l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et tout comme ça. Donc, pour qui? On a peur. Et la peur règne là. Même dans la diaspora, quand les gens n'ont pas envie de s'afficher parce qu'ils ont peur qu'on les prive des passeports, des visas, ok, leur famille et autres. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde sait que, historiquement, tout ce qui s'est passé ailleurs, quand on vient brutaliser la famille des résistants, à chaque fois qu'il y a le pouvoir, il vient là, la première des choses, il a détruit des copains dans toutes les instances du pouvoir. Il va dire, ah tiens, mon frère, on avait brutalisé mes parents, ma frère, ma soeur, mon frère, ma nanana, on avait fait ça. Bon, on rock ça. Donc c'est une coalition, c'est une écurie des résistants qui vont prendre le pouvoir. Et donc il y aura des passerelles pour aller créer l'injustice contre ces gens-là. On est bien d'accord. Donc ce que vous voyez les stations font là, s'ils ne comprennent pas les dangers, c'est tant pis pour eux. Et ce qui est la dernière stratégie, c'est la stratégie France-Afrique et l'ordre mondial qui est là. Au crépuscule, et qui joue, voilà, donc ça soit à peur de ça, donc il voit bien comme ça. Donc il suit la France-Afrique, l'ordre mondial, il suit avec intérêt, parce que lui, son pouvoir est contre nous, peuple congolais, notre pays. Donc ces piliers sont l'ordre mondial et France-Afrique, je sois comme de ton col. Voilà pour les stratégies. Et que vous devez en tenir compte de ça. Mais il ne suffit pas d'avoir des stratégies, il faut des piliers. Et donc ça, sur ce point, Sassou, on a élaboré, Sassou, on a six piliers de la conservation du pouvoir. Parmi ces six piliers, peux vous citer premièrement son idiotie. C'est un idiot. Idiot, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Il est toujours là, voilà. Donc, il est idiot. Il ne sait pas, un, le mal qu'il fait à sa famille, son clan et autres, parce que tout peut chambouler, peut tout changer à tout instant. Ces enfants-là qui peuvent passer par là, ils n'auront peut-être plus de visa ni de passeport, mais plus en plus que ce qui seront au pays là-bas, l'air bien confisqué, l'injustice créée entre eux, voilà. Donc, il sait pas que ça. Donc, l'État est tellement sauf foi, parce que dans l'État, c'est peuple. Dans le peuple, on ne sait pas qui va devenir président de la République d'ici peu. Et gouvernement, service secret, la justice et tout. Donc, si on met des victimes, des cycles de vie bourreaux victimes irréversibles, donc il ne sait pas l'idiotie qu'il fait là. Il croit que voilà. Donc, il est dans l'idiot. C'est un idiot. Ce n'est pas le mal qu'il fait à lui-même, parce qu'il a le 7 les moyens de l'État. Si on l'attrape aujourd'hui, je vous dis sincèrement, si on attrape Sassou Nguesso, il risque de finir comme Chamendo, comme Tshisekedi, comme bien d'autres. Hein. Je vous dis sincèrement, aujourd'hui, si Sassou est attrapé au pays, ou interné par exemple, là, malchance, bon. Il y aura une pression interne, donc voilà. On va faire jurisprudence, monter aux yeux de la vase. Sassou sera vraiment humilié copieusement, même assassiné en public. Et donc, il y a beaucoup de projets qui sont là, mais il continue à jouer, voilà, continue à jouer avec ça, le feu. Il ne sait pas. Il ne sait pas aussi le mal qu'il fait au peuple congolais et à ce pays, le peuple qu'il a fracassé, le pays qu'il a détruit. Et donc, voilà. Pourquoi me dit-on, ça, c'est l'idiot aussi. Parce qu'il croit qu'avec son idiot, il croit que, bon, il est à l'abri de tout. Mais non. Le deuxième pilier de la conservation du pouvoir, du despote de Sassou Nguesso, ce sont les mensonges. C'est un reptilien. Ces êtres-là, à 100 fois, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils n'ont pas d'émotion. Ce sont des gens qui n'ont pas d'émotion. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des êtres à 100 fois. On appelle les reptiliens. En fait, les mensonges de Sassou Nguesso servent d'un côté à casser son profil douteux d'étranger, parce qu'il a fait imposer, là maintenant on en a parlé, on connaît que ce n'était pas congolais. Tout ce qui est au Congo, là, bon, la génération venait après, mais tout ce qui a été fabriqué au Congo, toute sa descendance au Congo, mais les faux oncles, les faux frères, les faux ma fausses mamans, Moabara, tout, c'était du faux, c'est du faux, ils ont du faux, parce qu'on a mis là. Et aussi, le mensonge, c'est pour casser ses crimes multiformes et multidimensionnels.
Deuxième pilier, c'est le mensonge, bien sûr, après l'idiotie. Mais le troisième pilier, c'est sa mégalomanie. Parce qu'il s'est conçu le rêve d'un pouvoir éternel. Le rêve d'un pouvoir éternel. Et c'est pourquoi cela, il joue avec ça. Comme s'il est éternel. Et ça masse puisqu'il est là, il est encore là. Il continue à nous piétiner autre. Donc il joue à ça. Il est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise même de la mégalomanie. Et c'est avec sa psychanalyse, sa psychologie, ce sont des gens dangereux à l'intérieur des pays. Mais il n'est pas le seul. Il y en a plein ici, je sais, qu'à la suite de ça, cela, si on ne règle pas ce problème-là, dans 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous allons produire pire que Sassou Nguesso contre ces gens-là. Je vous dis sincèrement, il y a des gens qui cherchent seulement à accaparer les moyens de l'État. Ils ont compris comment fonctionne le système. Et si l'ordre mondial vient donner un coup de main pour, voilà, il peut faire du mal, très mal. La mégalomanie, Sassou, c'était mégalomane. Le quatrième pilier, c'est son cynisme. Le cynisme, c'est pourquoi? C'est d'abord, c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle aux cinq stratégies précitées. En plus, pour se venger contre tous ceux qui font obstacle à son idiotie et à sa mégalomanie. Et n'oublions pas ses mensonges. Je répète, le cynisme de Sassou est là pour se venger contre ceux qui font obstacle aux cinq stratégies précitées. N'oublions pas également à ces piliers comme l'idiotie, le mensonge et la mégalomanie. Et ce n'est pas tout, mais également pour effacer tous ceux qui connaissent ces secrets ou qui sont obstacles et autres, les témoins gênants, les serviteurs gênants. Observez-vous-moi depuis le coup d'État. Combien on a perdu la vie par les poisons des gens de Mokemba et Jean-François Ndengue. Vous avez le Kundju qui fut sacrifié par les poisons. Voilà. Bon, les généraux Avoukou, Adoua, Motando, Colonel Tchourou, Colonel RS Bakala, tous sont pas tombés là. Hein. On vous gère comme des bétails humains. Et donc c'est comme ça, il faut savoir ça. Donc les cynistes, ce n'est pas que du côté des opposants, résistants, dissidents, la population, non, mais également ceux qui servent. Il faut que les systèmes se régénèrent. Regardez bien, observez vous-même dans les images visuelles, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, ceux qui entouraient Sassou Nguesso, ils sont encore là? Non. Regardez tous ceux qui tournent Sassou Nguesso, en dehors des gens de Mokemba et quelques pas grand-chose. Tous sont disparus. Soit ont été éliminés, assassinés, morts, et tout cas, les morts suspects disent. Voilà, donc beaucoup de choses. C'est une organisation criminelle, ce pouvoir-là. Vous êtes au cœur des hommes criminels. Ça se passe à Oyo, ça se passe à Pila, autres. Il y a des cris la nuit. On fait du cannibalisme, on fait beaucoup de choses. Les 570 corps-là, c'est des sacrifices humains, des rituels qui ont été instaurés près de Goma Tchétché. Et tout ça, c'est une organisation criminelle. Comment on peut supporter ça? C'est pour cela que ceux qui sont au pouvoir là, ils nous voient comme des dieux, puisqu'on est libre, on dort tranquillement, mais eux, ils ne dorment pas. Ils connaissent des secrets, ils partagent les secrets avec Sassou, à tout instant, ils peuvent les éliminer. Même Florent Thiba, obligé de jouer comme un enfant, à ses 75 ans, vous imaginez? Vous savez, attends, ce n'est pas possible. Donc, c'est un système criminel. Donc, le cynisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a la corruption. C'est le sixième le cinquième pilier. La corruption. Là, sur ce point, il en a mis les moyens, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. La corruption fait partie des piliers de fonctionnement du régime. C'est l'homme de combien ça coûte. Sassou, c'est l'homme de combien ça coûte. Pour corrompre, pour assassiner, pour séduire, pour tout ça. Il n'y a que l'argent. Donc, vous avez quelqu'un comme ça. Donc, les comptes de l'État. Vous imaginez. Et enfin, le sixième pilier, c'est la ruse. Le chien aboie, la caravane passe. Eh bien oui, même les partisans en parlent comme ça. Comme si tout le pouvoir est éternel. Non, il n'est pas éternel. Le chien aboie, je tue, je déclasse, je fais comme je veux. Et donc, il apprend le mal aux uns aux autres.
Donc les gens de même qui venaient les punir aussi comme ça. Donc ils jouent à la ruse. Je répète, les six piliers de la conservation du pouvoir. En tenant compte déjà des cinq stratégies que je vous ai précitées. Donc il y a son idiotie, ses mensonges, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et voilà pour vous, peuple congolais, et le profil ou la nature du régime, quand vous avez ça, là on dit que le peuple est en danger. On voit bien ce que ça produit. Nous sommes déclassés sur tous les plans à l'échelle continentale, alors qu'on ne méritait pas ça. On continue à humilier notre pays. C'est un pays maintenant occupé, où les Rwandais sont là. Et donc, il va arriver des troubles dans ce pays. Donc, préparer les uns et les autres compatriotes, que nous pouvons arriver, par exemple, à la situation de 1978, quand il y avait Yombi Opango, qui avait fait des charters. Peut-être que nous allons faire des vols charters des Rwandais, tout ce qui est Rwandais ici. Bon, ben, allez, identifiez d'abord vous, on va arriver à des situations comme ça. Donc, on s'y prépare. Et aussi, prépare la guerre contre nous. Ils sont déjà là au pays, paraît-on qu'il y a il y a plus de visas, donc ils arrivent là-bas en masse. Donc, on regarde que le Rwanda, c'est un pays de 13 millions d'habitants. Alors que nous sommes que 5 millions. Et donc là, ils sont en train de rentrer là. Qu'est-ce qui va arriver? Mais quoi que dans un état, les ordres peuvent être donnés. Et il faut arriver. Peut-être qu'on va arriver comme la situation d'Haïti. On vient aller chercher du renfort ailleurs pour qu'on vienne se battre entre les Congolais et les Rwandais sur notre propre sol, comme ça se passe entre le Rwanda et la RDC. Et donc, vous voyez déjà ça. Qui a laissé faire ça? Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder, comme un spectacle. Alors que vous n'avez qu'une seule terre, un seul pays, vous laissez faire ça, ce n'est pas bien ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà pour la réflexion intellectuelle, parce que je dis qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées dans une nation et ou société donnée. Et donc, je suis à ma place de l'intellectualité, donc qui éveille les consciences, qui sensibilise et autres. C'est pour cela qu'ils ont cherché tous les moyens pour nous fracasser ici dans la diaspora. Ils sont allés plein de choses. Je ne veux pas raconter beaucoup de choses. Nos vies sont en danger. On est en guerre. Ils sont là pour chercher à éliminer Aya Tonga. Je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. Je ne suis pas le seul. Et donc, je suis en train d'alerter aussi la famille. Aussi, à Amakwa là-bas, il faut parler des tribus aussi. Je veux nordiste et autres. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord de la Cuvette, c'est tout ça. Ils en ont tué beaucoup des Nordistes. Et même de la cuvette. Et là, quelle est leur base culturelle, politique? Rien du tout. Donc, quel est ce régime-là? Que les gens continuent toujours à parler des amalgames. Non, donc, on est ensemble, d'abord, pour dégager l'ennemi commun. Il est là. Il va nous laisser des merdes. Et nous aurons des merdes. Ils sont déjà là. Il y a des choses là, pour des raisons stratégiques, on ne doit pas l'annoncer. Parce que ce n'est pas un aveu de faiblesse pour nous, peuple congolais. Bien au contraire. On est là, c'est notre pays. On doit les défendre. Et donc, vous devez vous regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Et donc, sur ce point, je vais vous répéter les cinq stratégies, et les trois, d'abord les cinq points pour lesquels Sassou Nguesso, pour cadrer les trucs, pour que chacun puisse réagir. L'enjeu est de réagir et d'agir. Moi, c'est pas que les médias réseaux sociaux. J'ai aussi d'autres canaux à l'intérieur du pays. Qu'ils soient intellectuels, politiques, militaires et autres. Donc on agit en influence pour qu'on puisse prendre une décision. C'est l'ensemble de ça qui fait la dynamique. Donc voilà les cinq points pour lesquels Sassou Nguesso cherche à conserver le pouvoir. Les cinq points-là, d'abord, c'est lâcheté. Deux, il faut ajouter la peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Trois, le problème pour mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs, mais il a peur là où se trouve, va se trouver sa dépouille. Quatre, c'est surtout la France-Afrique qui joue stratégie très très bien, mais la France-Afrique doute aujourd'hui aussi de Sassou au regard des crimes que Sassou Nguesso et la France-Afrique ont commis dans notre pays. Donc ça ne va pas se marcher comme au Tchad, comme au Gabon, comme ailleurs. Non, nous sommes dans une situation compliquée. Et cinquième point, c'est la succession qui cherche là entre les clans divisés et autres, et aussi que dans le nord, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, de la Cuvette, et qu'il n'y a pas que des Mbochi et autres, donc ils jouent la stratégie entre nous à tout instant, voilà. Donc on ne serait pas venus, tous les Congolais de toutes les tribus ne seraient pas venus sur Terre être les esclaves des Mbochi, du clan Sassou Nguesso, certainement pas.
Voilà pour les points. Il y a aussi les cinq stratégies que je vous ai citées. Parmi les cinq stratégies, il y a déjà l'utilisation du droit que pour lui, contre nous, peuple congolais, notre pays. Il a embauché l'espion là, François Joly. Donc ça sort des standards, des droits et de la morale, des institutions, tout compagnie. On ne peut pas faire ça. Vous croyez qu'une femme comme ça peut être embauchée dans les différents pouvoirs dans le monde? Non, pourquoi que chez nous? Et les militaires et tout le monde, on est là en train de regarder comme des moutons, il y a un souci. C'est une haute trahison qui est là. Et cette femme-là doit être poursuivie à la suite des assauts, comme disent tous les réseaux. Non, elle sera sur. Elle doit répondre. Elle doit répondre. Quelle que soit la durée de la nuit, les Congolais, les Congos, par ces moyens d'un État, ils viendront répondre. Pourquoi? Voilà. Donc, comprenez ça. La deuxième stratégie, c'est le son des détails. Donc, ils nous gèrent comme des moutons, comme ces esclaves et autres. Depuis les clans, ils régalent là comme ça. Ça a tué, ça a tué, ça a utilisé, ça, voilà. C'est comme ça. Et c'est l'individu sur Terre qui est venu vous. Attends. C'est pas, c'est la honte, l'indignité. En plus, on a abusé des femmes, des enfants, de ces dignitaires, de ces. Attends, c'est pas possible, oh mon Dieu. La troisième stratégie, c'est politique, c'est-à-dire changement de constitution sans fin, hold-up électoraux sans fin, dialogue, tout, 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 tout. Voilà. OK? Et quatrième et l'avant-dernière stratégie, c'est l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres, pour que les gens aient peur. Donc on brutalise, on tue, on fait. Et d'autres aussi s'y préparent que ici, et seulement si ça se termine mal, et eux aussi, ici, ils ne seront pas tranquilles. Aoyo, Edo, Obuya, Chikapika, Pila, papa, partout. Non, ce n'est pas possible. Donc il ne faut pas qu'ils entraînent les autres aussi, parce que dans le peuple, on ne sait pas, nous sommes pour alerter, leur alerter que les dangers sont là. On ne sait pas là comment va le monde. Le peuple là, il y a un destin pour le peuple congolais. Donc il ne faut pas qu'il croit que Sassou est éternel. Non, il y a eu une parenthèse par la violence depuis le coup d'État. Mais c'est une parenthèse. Mais au lieu d'avancer le pays, ils ont conditionné, entraîné les gens dans le mal. Et le mal l'a sorti très mal parce que les gens ont compris comment ça fonctionne. La cinquième et la dernière stratégie, c'est l'ordre France Afrique. Enfin, les six piliers que je tenais à vous. Le répéter, il y a son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, la corruption, la ruse et le cynisme. Et pour combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.